IAE Transfert, c'est un projet qui se fait dans le contexte de Promising. Promising, en fait, c'est un grand projet de recherche qui vise à développer des nouveaux programmes et des contenus d'innovation pédagogique pour l'enseignement du management de l'innovation, l'enseignement de l'entrepreneuriat. Et donc, l'idée, c'était de décloisonner nos formations et de faire travailler des étudiants qui ont plusieurs compétences, des sensibilités différentes, de les faire travailler ensemble pour qu'ils puissent se confronter à une problématique de management un peu complexe. Promising nous a donné des moyens pour nous permettre de mettre en place toute l'infrastructure de ce projet. Ça dure d'ailleurs depuis 2 ans. Qu'est-ce que je trouve super dans IAE Transfert ? En réalité, on l'a appelé IAE Transfert avec 100 S, mais il aurait fallu mettre 3 S. C'est un transfert des entreprises vers les étudiants. Parce qu'ils sont confrontés à des situations réelles avec des vrais entrepreneurs qui leur posent des vraies questions et qui sont là pour voir leurs problématiques résolues, donc une vraie demande. Et finalement, ça met les étudiants dans une situation quasiment de consultant, donc c'est un apprentissage extraordinaire. Mais c'est aussi un transfert dans l'autre sens. Les entrepreneurs, en se confrontant à des étudiants qui ont 5, 10, 15, 20 ans de moins qu'eux, ça leur donne un coup de fraîcheur, ça leur donne un sentiment de comprendre comment marche la génération d'après. Donc c'est aussi un transfert des étudiants vers les entrepreneurs. Un troisième transfert, c'est un transfert entre les étudiants. Et c'est ça qui est remarquable, puisqu'on fait travailler des étudiants du master entrepreneur, puis des étudiants du master MAE en formation initiale, c'est-à-dire des jeunes gens, et des étudiants du même master en formation continue, c'est-à-dire des jeunes gens un peu moins jeunes, mais qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc, c'est aussi dans ce brassage que se crée de l'apprentissage. Et on est en plein dans l'apprentissage entrepreneurial avec quelque chose autour de l'engagement, quelque chose autour du partage entre des personnes qui ont tous déjà des compétences et qui vont les mettre ensemble au service d'un vrai projet. Donc on est sur un apprentissage par le terrain. Et puis tout ça vient contribuer aussi, ça pourrait être le quatrième transfert, à la bonne réputation de l'IAE, qui est quand même un des endroits phares de Grenoble en matière d'innovation et d'entrepreneuriat.